Bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour la suite de Graveyard Keeper. Tout à fait, il ne s'est rien passé, c'était la pause. Et on parlait WoW, on parlait World of Warcraft, je ne sais pas pourquoi, mais on parlait World of Warcraft, parce que World of Warcraft c'est bien. C'est pas pour rien que les Alancieux sont des manières générales des nazes en PvE, en PvP. Ouais, en PvP. Non mais j'aime pas l'Alliance, j'ai jamais aimé l'Alliance. La seule fois où j'ai joué à Alliance, c'est parce que j'avais pas le choix, les potes étaient en Alliance, et que du coup, bah, j'ai dû prendre un Allianceux. Et voilà. Voilà. Je resterai sur ça. La Horde, c'est cool. Les Elfes de Sang, c'est cool. Les Elfes de Sang démonistes, c'est cool. Les Elfes de Sang démonistes spéafli, c'était cool. Voilà. Sur ce, reprenons, allons faire la prière. Il est temps de prier. Il est temps de prier. On n'a pas récupéré les carottes. Il faudra récupérer les carottes absolument. Il faudra vraiment récupérer les carottes. Exactement, on va faire la prière. On va faire la prière. Bon, le cimetière, il tire la gueule, donc on va pas beaucoup gagner d'argent. Malheureusement. Malheureusement. Mais on va faire avec. Alors... Dans capacité surtout pour déjà prouver des gens qui ont amené la vie de force. Non mais c'est ça que j'aime pas avec le lore de World of Warcraft ces dernières années, c'est que ils avaient rajouté pas mal de profondeur, il y a pas mal de profondeur à plein d'endroits, et au final c'est un peu quand même grave gâché, parce qu'ils ont dit bah tiens maintenant elle est méchante parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est méchante, voilà. Et t'as envie de dire mais il y avait tellement de potentiel, il y avait tellement de choses à faire. Effectivement, Sylvanas, à la base, c'est celle qui est en mode mais les morts vivants, ils n'ont pas forcément choisi de devenir des morts vivants, arrêtez de leur cramer la gueule, on n'est pas forcément des saloperies, quoi. Enfin, on a été fait mort vivant, on doit gérer avec, quoi. Enfin, on n'a pas le choix. Et maintenant, c'est bah, elle est méchante parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est méchante et qu'elle veut la fin du monde. Ok. Ok. D'accord. Bon, bah, soit, hein. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Le chat, s'il te plaît, tais-toi. Ça, il faut le poser. Ça, il faut le poser. Le reste, non. On va aller étudier un petit peu les objets. Faudrait booster l'église, oui, mais l'église, c'est pas la nécessité absolue. Parce qu'on n'a pas le matos pour, notamment. S'il te plaît, chaton, tais-toi. Si tu veux des câlins, tu montes. Allez. Allez! Tu veux des câlins ou tu veux pas des câlins? Bon bah tant pis. Hein. 50, parfait. Parfait, parfait, parfait. Il nous fallait 50, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Pourquoi il nous fallait 50? Ça c'était 30, c'était pas 50. Pourquoi est-ce qu'il nous fallait 50? Hein? J'ai peut-être mal lu. Si ça se trouve, le bois 2. Le bois 2. Pourquoi le bois 2? Non. Pas spécialement. Hein. Pas spécialement. Hein. Non, non, je crois que j'ai mal lu. Parce que ce que je voulais, c'était l'anatomie pour avoir la palette double. Or, on l'a. Palette réfrigérée, mais ça a l'air bien ça, attends. Ça a l'air vachement bien. Palette réfrigérée, c'est pour garder les corps au frais. Table d'embaumement de niveau 2. Ah. Ah. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. Hein. Tac, on a bouffé tous nos points, mais c'est pas grave. Tablette réfrigérée, je pense que c'est une bonne chose. Ça aussi, on va le faire, on va déverrouiller. Et on a de nouveau plus de temps. Donc, on va aller préparer les tablettes de... Les tablettes réfrigérées, je pense que c'est pas mal. Coupure VOD, parfait, nickel. Parfait, merci beaucoup. De toute façon, après, je me disais que de toute façon, on allait couper probablement vers midi et demi, 13h, quand je vais couper le live. Donc, mais c'est bien, comme ça, on sait à peu près. C'est nickel. C'est nickel.
Je réfléchis, je voulais faire quoi? Je voulais faire quoi? Je voulais faire ça. Je voulais faire ça. Je voulais regarder ici. Tablette de résurrection, on l'a fait. Palette réfrigérée, il nous faut. Oh, il nous faut encore des pièces complexes. Mais par contre, il y a l'air d'avoir deux corps. C'est bien ça. Faire des dos et des vis et des trucs complexes. On va faire ça. Faudrait que je fasse des zombies. Alors que avec l'univers Warcraft, ils pouvaient refaire tellement refaire un jeu de stratégie. Mais oui, un jeu de stratégie Warcraft à nouveau, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ça aurait été tellement bien. On voulait pas faire des pièces complexes? Je crois que oui. Je sais plus. Oh, je sais plus. J'ai deux neurones, hein. Je sais plus ce qu'on voulait faire. Là, je vais faire les palettes réfrigérées. Palette réfrigérée, c'est bien, c'est important. Mais plus que ça, il faudrait que je fasse des résurrections aussi. Mais d'abord, il nous faut plus de cadavres. D'abord, il nous faut plus de cadavres. Est-ce qu'on a besoin de faire un truc particulier? Tu me saoules, chaton. Tu viens là. Allez, avance. Et tu viens sur papa. Voilà. Tu vois? C'est bon. Maintenant, tu restes là, tu t'allonges. Allez. Et t'arrêtes de mumuter. Parce que c'est chiant quand tu mumutes. Ça me tape sur le système à force. On n'a rien de particulier à faire ici, en vrai. En vrai, on n'a rien de particulier à faire. Là, on a déjà fait. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon. Ce qu'il va nous falloir, c'est plutôt s'occuper des palettes réfrigérées. On a dit qu'il fallait des dos, des fers complexes et je sais plus quoi. Bon, déjà, on va faire des dos. Je n'ai rien marqué là-bas. Ah, mais si, 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 ça y est, c'est bon, je me souviens. Je me souviens, il faut qu'on libère les passages dans les souterrains. Donc, il nous faut des piquets de bois, poutres et fer simple. Ben voilà, c'est bon. Poutre, il en fallait 3. Et ben voilà, il y en a 3. Nickel. Ensuite, fer simple. Fer simple, il en faut du coup 12. Hop là. Il y en a combien déjà? Qu'on regarde. 4. Alors ça, je peux m'en débarrasser. Ça, je peux m'en débarrasser. Piquet de bois. Bon, ça, je peux le déposer. Ça, c'est bon. Ah oui, ça c'est vrai aussi qu'il faut que je le dépose. Voilà. Piquet de bois. Non, ça c'est des bâtons de bois. Ok, donc fer simple. Pièce de fer simple, il en faut x3. Mais j'ai qu'un putain de lingot. La haine. Bon. Ça c'est bon. Piquet de bois. Avec quoi je l'ai fait? Avec ça, il me semble, hein. Piquet de bois. Il en faut 30. Voilà, comme ça avance. J'ai mis un peu de temps, mais c'est bon là. Je me suis remis dedans. On est bon, on est bon. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Il me faut que des lingots en plus. Ça cuit. Donc, on va se coucher. Ça va être plus simple. Il faut que je pense à aller récupérer également pas les tomates, les carottes. Il faut qu'on aille récupérer les carottes. Tu vas, mon chaton, ça y est, t'arrêtes de mumuter, t'es content d'être avec papa? Bah oui, hein. En fait, tu veux juste de l'attention d'un être humain, c'est tout. On t'oublie pas, hein. C'est pas parce qu'on fait pas attention à toi 5 minutes qu'on t'oublie, hein. Un bébé. Mais oui, t'es un beau chaton. Hop là, on fait ça. On va voir nos carottes qui ont toutes poussé, et ça, c'est bien. Voilà, parfait. Oh là là, parfait, parfait, parfait. C'est nickel. C'est nickel. Hop. Voilà, ça je peux m'en débarrasser. Ça je peux le poser là. Et on va reposer nos carottes tout de suite. Voilà, très bien.
Bon, on perd des graines à chaque fois, hein, c'est malheureusement... C'est comme ça, mais au moins c'est reposé. Est-ce que j'ai gagné un petit lingot de plus par le plus grand des hasards? Ah non, mais presque. Eh ben voilà, parfait. Ah bah voilà, nickel. Nickel. Et maintenant, ah non, faut que j'aille en bas. Faut que j'aille en bas parce qu'il faut que je dépose les carottes. Faut que je dépose les carottes. Voilà, parfait. On vient ici. On dépose les carottes. Voilà, on en a déposé 60. Ça fait donc beaucoup de cadavres. Parce qu'il en fait un tous les 5. Donc 60, ça en fait 12. Et re, Gwen. Ça y est, tu es toute propre. Tu as pu prendre ta douche. Donc ça, c'est bien. On fait enfin le déblayage. Voilà, parfait, nickel. Nickel. Ah, c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est tellement... Oh non, on n'a plus d'énergie. Non. On n'a plus d'énergie. Oh mon dieu. Est-ce qu'on peut pas péter des choses là, tiens? Ben non, on n'a plus d'énergie. Ça sert à rien, c'est complètement con. Merde. Mortax, cet après-midi, je te MP sur un détail de la modération qui serait à voir sur le traitement... des demandes d'action liées au bouton. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Je te dirai. Écris-moi le message et dès que je peux, je regarderai. Et évidemment, le cadavre vient d'arriver. Hop là. On va aller s'en occuper tout de suite. Allez. J'espère qu'il a pas trop pourri. Non, ça va, 99. C'est acceptable. C'est acceptable. Alors, ah, je l'ai pas posé. Ah, il est un peu nul. Il est un peu nul, donc on va enlever ce qui est utile et le reste, on va le bazarder. On va le bazarder. Ou est-ce que j'en fais... Eh, est-ce que j'en fais pas un zombie? Ah! 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 Les points sont actifs depuis plus de 2 mois, je me trompe pas. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être. Je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Donc il va nous falloir plus de fois. Ok, donc ça c'est nettoyé, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Donc là on a un raccourci pour aller directement à l'église. C'est très 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 bien. C'est vraiment très bien. Ici on a des trucs à construire mais que j'ai jamais regardé. Ah oui. Ah oui, on a des trucs à construire. On a des trucs à construire. Ok. Le cube à distiller, par exemple. Le broyeur alchimique. L'établi d'alchimie. La table d'étude, elle est faite. Le mélangeur à main. Ok. L'établi d'église, il est là. Le bureau, il est là en dessous. La table d'étude, elle est là. Donc il nous faut faire un mélangeur à main. Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou pas? En vrai, non, on n'a pas besoin spécialement. Là, ce qu'il nous faut, c'est de la foi, comme d'hab. En vrai, non, il nous faudrait des cadavres. Il faudrait des cadavres à mettre. Ouais. Il va nous falloir des cadavres pour avoir de la foi. Pas vraiment le reste. Ça je peux poser, ça je peux poser, ça je peux poser. Ça aussi. Ah non, parce qu'il n'y a plus de place. Chut. Je te passe la photo à l'instant et Discord a fait comme d'hab. Pour lui, t'es pas en live. Ouais, non, mais c'est pas grave. Envoie. Hein. Ça ne change rien. Qu'est-ce que je pourrais utiliser là-dedans qui me débarrasserait un peu? Rien de particulier. Ça, je peux pas remettre des trucs à cuire, donc non. Bon, déjà, là, les tunnels, je peux supprimer parce que c'est fait. Ça, c'est fait. C'est très bien. C'est très, très bien. On n'a rien d'autre à construire pour le moment. Pour le moment.
Au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a à faire? Ça, on peut pas encore. Ah, on a récupéré le journal. On peut aller voir l'astrologue. On peut aller voir l'astrologue. Ça, j'avais oublié, mais on peut aller voir l'astrologue. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu avancer dans le donjon. Mais j'aimerais bien qu'on se fasse un peu de stuff avant d'y aller, peut-être. Même si on est mort vivant, enfin qu'on ressuscite à chaque fois qu'on est mort. On va quand même essayer d'éviter. Mais l'astro, on va y aller, mais du coup, il nous faut le jour bleu. Apporter aux marchands une licence commerciale, il nous faut du pognon. Et on n'en a pas. Pour l'évêque, on est en train d'améliorer l'église. Il nous faut les pommes. Il nous faut les pommes et le livre de cuisine. Le livre de cuisine, je ne sais pas où est-ce qu'il se fait. Est-ce qu'il se fait par là, par le plus grand des hasards? Non. On peut faire de la farine avec le blé. Ok. Ok. On va aller récupérer des pommes. On va aller récupérer des pommes. Les pommes, il y en a au phare. Il y en a au phare. Il y en a au phare. On va au phare. Ici, voilà. Et puis là, il y a plein de pommes. Donc on va récupérer les pommes dans un premier temps. Enfin, si on peut. Ah, voilà. J'allais dire, je n'ai pas pu récupérer. Il m'a fait récupérer le champignon, t'es sérieux? C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux récupérer d'autres pommes? Voilà. C'est des arbres où il y a deux pommes au sol. Où on peut les récupérer, les autres on peut pas. C'est le pharaon, peut-être. Peut-être bien. Qui sait? Là il y en a qu'une, je peux pas, hein. Ouais. Donc là j'ai récupéré combien de pommes? 12, donc normalement j'ai assez pour pouvoir envoyer le la demande, enfin la demande, la contrebande. Ça il y a un truc mais je peux rien en faire. Donc on va laisser ça de côté. Lui on s'en fout. Ici il n'y a rien de particulier. On va rentrer à la maison. Ouais, il n'y a rien de particulier là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un gros caillou. Il y a un petit feu de camp et tout. Ah, il y a un petit lac. On n'est jamais passé par ici en vrai. On n'est jamais passé par ici. Hein. Il y a un petit phare et tout. Ah, un petit phare, un petit étang et tout. Mais j'ai lu phare, du coup j'ai redit phare. Parce que j'ai un humour nul. ok. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose à faire par ici? Non. Hein. On va rentrer. Non. À la maison. Utiliser. Domicile. On va aller donner nos petites. On va aller dodo. On va aller dodo. Ça va faire passer la journée. On va se rapprocher de la nuit. Et donc de la livraison de cadavres. Et comme ça, on pourra s'occuper du cadavre directement. Parce que n'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'utiliser et de bien utiliser les cadavres. Pour que ça soit rentable, bien sûr. Puis après. S'occuper aussi de la décence, des corps et tout ça, accessoirement, mais bon, ça c'est l'accessoire. C'est pas l'important. L'important c'est les thunes. Mon dieu, mais qu'est-ce que je deviens? Tu lui as volé sa blague et du coup tu es fier. Pourquoi il y a un corps? Ah bah oui, ici, le futur zombie. Je voulais voir quoi? Je voulais voir un truc et j'ai déjà oublié, nom de dieu. Mais j'ai deux neurones. Hein. Oui, la livraison. La livraison. Pratique d'avoir le chat à droite. Oui, complètement. J'ai deux écrans pour l'instant. À terme, j'en aurai probablement un troisième. Mais pas avant un petit moment. Mais du coup, j'ai mon écran principal qui est devant moi. Et j'ai mon deuxième écran qui est à ma droite. Et à droite, en fait, j'ai le chat qui est posé à gauche. Ce qui est du coup plutôt pratique. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ah, mais créer le livre, ça doit être dans... Ah, tu parles pour toi? Ah, bah oui, c'est pratique aussi. On doit avoir le cadavre qui va arriver. Non? Pas de cadavre aujourd'hui? Oh, pas de cadavre aujourd'hui.
Mais j'ai besoin de cadavres. Donnez-moi des corps. S'il vous plaît, monsieur l'agent, donnez-moi des corps. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être juste faire passer le temps, hein. Ça, faudrait que je les analyse. Et que j'en fasse de la poussière et compagnie, peut-être. Des trucs alchimiques. Ouais, on va aller dans l'église. Enfin, dans les sous-sols de l'église. On va aller faire quand même un peu tous ces appareillages pour l'église, hein. On va faire ça. En attendant qu'il y ait des cadavres qui arrivent, qui tombent, comme par milliers. D'abord, on va faire une petite analyse de ce qu'on a. Voilà. Ça, c'est du rouge, on s'en fout. Ah, voilà, du bleu. Moi, j'aime le bleu, pas le fromage. Enfin, si, j'aime le fromage bleu aussi, mais... Hein. Sur mon écran, j'ai partagé en deux le live, en gros, à droite, et le chat à gauche. D'accord. Bah, c'est très bien. Non, ça, c'est trop. Oh. Quelle tristesse. On n'aura pas assez. Ici, on va remettre des feuilles. Voilà, très bien. Bon, on va étudier ça. Tant qu'on y est. Poudre d'accélération. Ok. Cendre. Ok. Un cadavre. Il est arrivé en plein milieu de la nuit. Mais t'es sérieux? Il est arrivé en plein milieu de la nuit? Mais what the fuck? Perso, mon deuxième écran pour le chat, c'est ma tablette. Hein? Ça a fait ding dong, mais il n'y a pas de cadavre. Ça doit être pour récupérer ça. Donc si ça se trouve, il y a un âne qui est en train de repartir tout seul en mode furtif. Eh oui. D'accord. Salut Billy. Ça va? Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Moi, je suis passé sur la vue modérateur. D'accord. Donc du coup, en fait, non, c'est parce qu'il nous avait dit, pour la contrebande, il vient la nuit. Sauf que du coup, ça déclenche quand même la cloche. C'est pour ça. J'étais pas prêt. Je m'y attendais pas. Parce que du coup, j'étais vraiment sûr qu'il y avait un cadavre. Mais en fait non, pas du tout. Non, j'ai la flemme de marcher. On va faire plus simple, hein, plus rapide. Voilà. Ah, c'est sûr que maintenant qu'on a, on a nettoyé le passage, c'est quand même bien, bien plus pratique. Oh là là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tout ça, je le garde. Oui. Donc, on va noter un petit peu. On a dit. Le bureau, c'est fait. Râtelier d'alchimie, c'est pour ranger ce qu'on récupère. Pour l'instant, c'est pas une nécessité. Église établi d'église, on l'a fait. Cube à distiller, on l'a pas fait. Alors, 20 pierres. Et pas des gens, hein, des pierres. 8 fers complexes. Shot. C'est cher, ça. Ok, le broyeur d'alchimique. On va en avoir besoin aussi. Et la brique de pierre polie. On sait faire, ça. Je crois pas. On sait pas faire la pierre polie. Oui, j'ai vu les bonbons. Construction en bois, on sait pas faire non plus. Et mélangeur à main, il nous faut 6 planches. 4 fers simples. Et 8 clous. Bon, déjà on peut en faire 2. C'est un début. C'est un début. Voilà. On va faire du coup la mini pause. Pour vous montrer les bonbons pour chat, on se met en discussion. On va mettre la caméra sur mes jambes, et un peu décalée pour que vous voyez l'autre chopper qui a bien compris qu'il y avait des croquettes qui allaient arriver. Regardez-moi ce regard. Vous voyez là le regard à côté là. Là, il a bien compris que les croquettes arrivaient. Bon, lui aussi, il a compris ça à une vitesse grand V. Hein. J'ai même pas encore touché la boîte qu'il avait compris que ça allait arriver. Au-dessus. Non, non, là. C'est ça que tu veux. Non mais alors si tu as fait tomber par contre. Bon et toi?
Ah, c'est bon, hein? Bah oui que c'est bon. Ah là là. Ah, mais je crois que vous avez pas vu du coup. Ah, oh, ça a décalé. Je lui avais posé là et puis il a pu la manger. Ça, c'est mon doigt. Si tu me niaques le doigt, t'en prends une. Mais t'es un beau bébé. Voilà. Bon, bah, ils ont eu leurs croquettes, hein. Rassurez-vous. Elles ne sont pas tombées dans le vide, ni dans le néant. À part, sauf si on considère leur ventre comme un gouffre sans fond. Ça, du coup, oui, ça peut. Mais ça a été avalé à grande vitesse. Ils n'ont rien laissé traîner. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Hop là. Ils ont bien profité des croquettes. Et ils baladent autour maintenant, évidemment. Boum, on se remet là-dessus et on peut se relancer. Donc effectivement, Discord n'a pas pris en compte que j'étais en stream. Maintenant, oui, j'ai activé le bouton magique. N'est-ce pas magnifique? Cet écran-là à droite. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et on est reparti. Ok. Donc, on a dit de la pierre. Faut aller par là. De la pierre, des fers complexes. 8 fers complexes, c'est quand même un petit peu cher. Hein. C'est quand même un petit peu cher. Ça va picoter. Ok, on n'a rien à construire ici. Ça va picoter un peu, mais YOLO. YOLO. Ok. On a des fers complexes ou pas de côté? Oui, on en a 3. Il m'en faut 8. Vous êtes sérieux? C'est bien cher quand même, hein? C'est bien cher. Ça, je récupère. Et des planches. On n'a pas de planches. On va faire les planches en premier. Comme ça sera fait. Il nous en faut 6. Oui. Ah non, il fait à partir de ça. Non, non, non. Là. Voilà, 6. Allez. Voilà, ça c'est fait. Les fers complexes. Petit topo. 34 coupures VOD, 14 pubs de 30 secondes, 14 pubs de 60 secondes, 100 à boire, 47 bonbons pour chat et 4 pas de jurons. Bon, ça va, je suis pas trop insultant normalement. Ça passe. J'en avais 3, donc il m'en faudrait 7. Donc, j'ai obligé d'en faire 8. Ok. Pas le choix. Mais les fers complexes, ce sera fait. D'accord, tout ça, c'est les trucs de la vue modo? De la vue... Ouais, de la vue modo. Ok. Les chats ont été bien gâtés. Ouais, bah ouais. Hein. Je suis pas étonné. On aime bien les nourrir, les chats. En même temps, ils sont trop mignons. Faut bien leur donner des croquettes. Pour récompenser leur mignonitude. Yep, les demandes à marquer, soit terminées, soit rejetées. Il y a des demandes à marquer ou à rejeter? Hein? On peut rejeter une demande? Les fers simples. Bah, il en faut 4. J'en ai ou pas? Non, j'en ai pas. Eh bah, voilà, très bien. Maintenant, oui. Je pense qu'il y a un cadavre qui va arriver incessamment sous peu. Non, pas encore. J'ai récupéré des points bleus ou pas? Oui, j'ai récupéré 20 points bleus. J'aimerais bien faire un peu d'écriture, donc il nous faut du matériel d'écriture. Ah, mais c'est dans le bureau qu'on peut faire ça. Ah, donc si ça se trouve, on peut déjà le faire en fait. Oui, en cas où tu peux pas faire la demande, tu peux l'annuler, ça rembourse. D'accord, je savais pas. Intéressant. Alors, je ne savais pas, mais c'est le bureau qui permet de faire les trucs. Si les points de chaîne ont été accomplis, tu termines la demande, sinon tu rejettes et ça rend les points. D'accord, d'accord. Ben, je savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Vous m'apprenez quelque chose. Mais en même temps, je pense pas qu'on en ait pas fait. Du coup. Ah, mais non, il livre pas parce qu'il y en a un. Je crois qu'il livre pas de corps parce qu'il y en a un. Je crois que c'est ça le délire. Et ouais, je crois que c'est ça. Tant qu'il y a un cadavre qui est en attente, il ne livre pas de corps. Mais non. Quel enfer. Quel enfer. Donc il faudrait que je m'en débarrasse ou que je le fasse cuire. On va peut-être le faire cuire le corps. On va voir.
Donc, est-ce que le bouquin de cuisine, c'est ici que je peux le faire? Mais oui, il est là, livre de cuisine. Du vin rouge, du papier propre, du stylo et de l'encre. D'accord. Prière de repos. Ok. Prière de prospérité. Je crois que pour prière de propriété. Ah, prière de prospérité, je crois que c'est ce qu'on voulait faire. Ça nous semblait pertinent. Note. Oh, on se calme. Note, il nous faut du papier propre et des stylos encre. Ok. Je sais pas pourquoi Discord n'a pas déclenché. Discord fonctionne mieux si le déclenchement via OBS que Twitch Studio. Ouais, non, c'est juste que deux fois ça bug. Hein. C'est tout. C'est tout. Ça arrive. Ok, alors, le mélangeur à main. Il prend cette taille. Il m'a l'air parfaitement adapté ici. Il m'a l'air parfaitement adapté ici. Ah, en bas aussi. Ah, en bas aussi. Ah. Ah. D'accord. Là, il a l'air bien. On va le mettre là. Donc, mélangeur à main là-bas. Et cube à distiller, tu prends quelle place? Tu prends celle-là. Ok. Ok. En vrai, ça serait peut-être bien de combiner les deux là. Pour gagner de la place et mettre peut-être autre chose ici. Ça peut être le plan. Après, j'aime bien faire des coins un peu thématiques. Là, on a un truc, un mélangeur à main. Mettre un truc à distiller pas très loin, ça peut être pas très très con en fait. Voire même plutôt intelligent. Allez, mais ça peut pas être tourné de toute façon. Donc, ok. Ouais, je pense qu'on va le mettre là. Puis il n'y a rien d'autre qu'on peut construire. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, ça, à quoi ça sert? Enfin, distiller, ça, je me doute. Hein, mais, Ah, et on n'a rien qu'on peut faire distiller. Ok. Et le mélangeur à main. D'accord. On est bien. On est très bien. On voit que nous avons beaucoup de choses à faire. Donc on a dépensé des ressources pour faire ça et ça ne sert à rien. Ça. Ok. Ça ne sert à rien. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Le verre avancé, est-ce qu'on peut le faire? Peut-être quoi dans craft? Construction? Non. Ici. Alors, dans l'idéal, moi j'aimerais faire ça. Fourneau 2. Ah. Fourneau 2. Ah, faut forcément le fourneau de niveau 2. Par contre, on peut faire les lingots d'acier si on passe sur le. Ah. Bon, on va déverrouiller ça déjà dans un premier temps. Enclume 2. Ah, on peut améliorer l'enclume aussi. Mais on peut améliorer le marteau aussi. Pompe à seau, pompe à eau. What? What? Pompe à eau? Mais non. Bon, il y a trop de choses. Je ne sais pas quoi faire. Réseau de lanterne. Ok. Je dois cut, mon tel n'a plus de batterie, il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à repasser parce qu'aujourd'hui je vais faire beaucoup de live. Donc là, je vais faire live jusqu'à midi 13h. Et après, on fait live ce soir, enfin cet après-midi à 16h. Donc je lancerai un petit peu avant. Et ensuite, je fais live le soir pour le débat. Parce que hier, on n'a pas pu faire le débat parce que notre invité n'était pas disponible que demain, enfin qu'aujourd'hui. Donc le lendemain. Et du coup, ben, c'est ce soir qu'on fait le live débat. Aujourd'hui, ça va être journée du stream. La journée du stream absolu. Mais en tout cas, si tu repasses, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, je te souhaite un bon midi, de toute façon, vu l'heure. De bien manger, tout ça, tout ça. Et merci d'avoir été là.
Vu le temps qu'il faut pour les métaux. Ouais, mais c'est bon là, le four avancé, c'est bon. Le four 3, par contre, ça demande 20 et 200, et on les a pas. Donc, de tous les cas, on ne peut pas. Je vais être HS ce soir. Oui, oui, je pense, oui. Oui. Fiole conique, ça serait bien. Hein. En vrai. En vrai, ça serait pas si mal. Parce que si on regarde, j'ai besoin de fiole conique pour. Ah non, le tableau d'alchimie, il me faut la fiole avancée, putain. Et puis il me faut des pièces en acier aussi, donc. Donc non. C'est mortadelle. Et la table d'études, elle est déjà posée. Donc ça ne sert à rien. En fait, je viens d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Bon, après, par contre, on peut améliorer le four. C'est déjà bien. Ce soir, je stream, mais je vais voir à 16h parce que les louveteaux, de voir tout ça. Pas de souci. Pas de souci. Et oui, je me doutais que tu streamais ce soir. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. On va améliorer le four. Après tout, on peut. On va. Du coup, le verre avancé, ça ne sert à rien. Le verre avancé ne sert à rien. Mais c'est pas grave. Fourneau de niveau 2. Il nous faut du papier en pot de porc. Sans blague. Ben, on va aller faire du papier en pot de porc. Donc il nous en faut 2. Donc ça sera fait déjà. Donc finalement, on fait que des allers-retours. C'est où? C'est là ou pas? Oui. Papier en pot de porc. Ça en donne 4 direct. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Ok. Et à la limite, on va faire du papier tout de suite, comme ça, ça dépensera un petit peu. Voilà, 4 et 8. Parfait. Comme ça, on garde juste les deux qu'il nous faut. Ah, on a des trucs qui sont rajoutés ici. Injection de lessive. Yeah. Ok. Saut de sang. D'accord. Ok. Admettons. Donc ici, ça, je peux le déposer, j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il me fallait quoi? Il me fallait de la pierre. On n'a plus de pierre. On n'a plus de pierre. Va falloir qu'on aille miner de la pierre. Pause pub, 60 secondes. Eh ben, lancez la pause pub de 60 secondes et pendant ce temps-là, on va s'occuper de récupérer de la pierre. Parce qu'il doit y en avoir par-ci, par-là, notamment un petit peu en allant vers la forêt. En allant vers la forêt, il doit y en avoir. Donc on va monter. On va monter, ouais, voilà, là, il y en a plein, là. Là, il y en a plein. Votre pioche s'est cassée. Mais non. Le jeu. Le jeu. J'ai posé un coup de pioche. Un coup. Et elle était cassée. C'est pas de bol. C'est quand même sacrément pas de bol. Ah là là. Voilà, tac. Ça, je vais le déposer. Ça, je vais le déposer. Je vais le déposer. Je vais déposer la nourriture aussi. Fallait bien que ça arrive. Oui, oui, il faut que ça arrive. Mais relou. Relou quand même. On n'a pas d'autres pierres. On a utilisé tant de pierres que ça, parce qu'il me semblait qu'on en avait plein. Mais non, mais je crois que j'en ai vendu. Ouais, je crois que j'en ai vendu. Je file. Eh bien, il n'y a pas de souci, Dark. Je te souhaite une très bonne journée. Peut-être à plus tard. En tout cas, merci d'avoir été là. Puis bah, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Bonne fin de stream, merci. Merci, merci. Bah, bonne journée à toi. Hein. Tiens, t'as ce qu'il faut pour le saut de sang. Oui, oui, je sais que j'ai ce qu'il faut. Hein, mais le saut de sang, je suis pas pressé. C'est pour serpent. Et c'est pas ce qui me préoccupe le plus, serpent. À l'occasion, on fera. Hein, mais c'est pas ce qui me... C'est pas le truc que je veux faire absolument. Donc un peu aux F. Faudra s'en occuper hein, à terme, mais pas de suite. Pas de suite. Hop là. Voilà. On récupère bien tout ce qui traîne. Il y a pas mal de cailloux. La jolie petite cascade. Ici, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Là, on peut enlever ça. Ah, j'ai pas assez d'énergie.
Bah, le zombie bois, je pense qu'il a coupé plein de bois, mais qu'il ne l'amène pas parce qu'il en faut un pour amener le bois. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un deuxième zombie. C'est un zombie logistique qui va ramener les bouts de bois ici. C'est l'espèce d'abri qu'il y a devant, hein, devant la scierie. Donc bah, là, on peut juste attendre. On peut juste attendre. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Un zombie porteur, exactement. Exactement. Le jour d'après, là, on va pouvoir aller au phare pour voir le... Comment ça s'appelle ? Le scientifique. Je me sens rafraîchi. Magnifique. T'as combien de pierres ? 27. Eh ben, on est bon. On est bon. Et du coup, le fourneau, niveau 3, il faut des fers complexes. Ah non, pas zombie potter. Non, pas zombie potter. Non, non ça, ça, non. Tac. Voilà, tac. Je sais pas combien il en faut, j'ai pas fait gaffe. Fourneau niveau 2, il en faut encore. C'est parti. Voilà, très bien. Ah non, j'en ai oublié. Ah non, c'est 2 par 2, c'est pas 4. C'est les simples qui en font 4. Je suis bête. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Fourneau de niveau 2. C'est trop grand. Par contre, je peux les mettre des deux côtés. Ok. Donc là, c'est trop grand. Que je réfléchisse. Où est-ce que je veux le mettre, le fourneau? Est-ce que je le mettrais pas à côté du... Bof. À côté du puits. Parce que c'est un grand intérêt, pas spécialement. Ici, c'est trop petit. Ici, ça aurait pu éventuellement être bien pour caler notamment des mâles derrière, mais... Bof. Bof. Peut-être par là. Hein. On met un coin là. Avec la pierre en dessous. Et on fait genre le travail du fer à gauche. Ah, y a moyen. Y a moyen. On va faire ça, je pense. Donc là, ça sera notre coin. Notre coin métal. Métal. Ok, ça c'est fait. Très bien. Très très bien. On peut faire des lingots d'acier maintenant avec de la graphite. Et on peut faire des fioles coniques. Ok. Admettons. Admettons. Du bois de chauffage. On va en faire un petit peu. Hein. On va faire ça aussi. Tac. Puis on va faire dodo, comme ça on va pouvoir se TP. Ça sera incroyable. Ouais, on va faire ça comme ça, mais là on va pas en avoir assez. Hein. Plus d'énergie. On va déposer tout ça à domicile dans le petit coffre. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Tac, on vient ici. On va faire le dodo. On va aller parler au. C'est quoi? J'ai archéologue en tête, mais c'est pas un archéologue. On va aller parler au. Astrologue. Astrologue. C'est le bon terme. Allez, on se lève. On soulève Billy. Je me sens rafraîchi. C'est bien, c'est bien. Et du coup, utiliser phare. Bonjour. J'ai déposé le journal. J'ai déposé le journal parce que je suis un gros tardos. J'ai oublié... J'ai pas pris le journal. J'ai pas pris le journal. Je suis un gros con. J'ai complètement oublié de l'utiliser, de le prendre. Bon. Je sais où il est en plus. Je l'ai récupéré, mais je l'ai pas mis dans l'inventaire. Je l'ai pas mis dans l'inventaire parce que j'étais plein et je suis pas revenu après. Je l'ai laissé là. Il est juste là. Au sol.
Des graines d'oignons. Ok. Au passage, on va voir si on peut pas récupérer des trucs ici, hein, parce que voilà, on est là. On est là. Ok. Oh, potion de vie, tiens. C'est tout, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre. Ok. Bon. Je disais donc, on va au phare. Bonjour. Excellent, excellent. Toutes ces choses importantes qui doivent se trouver dans ce livre, c'est fabuleux. Il me donne une histoire. Je ne suis pas senti aussi vivant depuis une éternité. Alors, comment puis-je ouvrir le portail sur la colline aux sorcières? Laissez-moi regarder. Vous devez fabriquer un laser spirituel, mais je ne sais absolument pas ce qu'est un laser. Désolé. Doit être construit sur le piédestal situé devant le portail. Il est constitué de deux éléments, un émetteur et un canon. Ah, voilà les trois parties de l'émetteur. Un miroir de l'orgueil, un charbon ardent éternel et une fourchette salée. Et pour le second élément? La seconde partie du texte du livre est couverte d'une substance collante, je vais d'abord devoir la nettoyer. Je pense que je vais avoir besoin d'acide et d'outils de restauration pour nettoyer tout cela. Ok. Où puis-je trouver tout cela? Il est écrit que ses amis pensaient que ces choses pouvaient être trouvées en ville. Je ne comprends pas très bien, il a noté qu'il s'agirait de l'âme de la ville. Tout ceci m'a l'air totalement farfelu, la magie, bah, n'importe quoi. À votre place, je commencerai par le plus visible. Allez jeter un œil au piédestal près du portail. Ensuite, essayez de vous rendre en ville, trouvez ces objets. Recette acide. Propos de cet acide, savez-vous où est-ce que je pourrais trouver de l'acide? J'ai abandonné l'alchimie il y a bien des années, c'est une voie sans issue. Mais je pense savoir où vous pouvez trouver de l'acide. Il doit y avoir une vieille femme dans les marais, elle est un peu cinglée. Mais autrefois, elle me fendait des divers produits chimiques. À propos des outils de restauration, sauriez-vous où est-ce que je peux trouver des outils de restauration? Alors là, nous avons peut-être un problème, jeune homme. L'Inquisition les a tous détruits. Les imbéciles. Ils pensent que le passé n'est pas bon, n'est bon qu'à faire du mal et apporter des malédictions. Mais je pense que vous devriez encore pouvoir en trouver au marché noir. Les personnes avec des contacts dans les milieux criminels pourraient vous aider. Je connais la personne idéale. Je devrais essayer d'en parler à Serpent. Commercer, on n'a rien de particulier. Alors je sais qu'il me faut du stylo et de l'encre. On va prendre un stylo et de l'encre. Voilà, on va l'acheter. Et voilà. Faut monter 80, non faut monter 60. Mais non, même pas, 40. 40. Seulement 40. Et on est à 20. Ouh. Quelle joie. Alors, utiliser domicile. Du coup, vends-moi du rêve. Il faut quoi pour faire d'acide? Ça doit être le truc alchimique, et on peut pas faire le truc alchimique. On peut pas faire le truc alchimique. Il me semble qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas le matos qu'il faut. Établi d'alchimie, ouais. L'établi d'alchimie, il nous faut le verre conique truc, et on l'a pas. Et on l'a pas. Bon. Bon. Déjà, on va voir pour le bouquin de recettes de cuisine. On va déjà faire ça. Dans un premier temps, ça peut être pas trop mal. Alors, on a ça. Ah, il en fallait deux. Ah. Ah. Oui, des choses que je peux aller déposer au coffre de la maison. Est-ce que je peux me TP? Oui. Utiliser. Phare. Attends, Bélé. M'en fallait un deuxième. Merci. Stylo et encre. Voilà. Ok. Le papier, je peux en faire. C'est pas un souci. Et il me fallait du vin. Non, par contre, le vin, je peux pas. Le vin, je peux pas le faire pour l'instant. Ça, ça va être chiant. Le vin, je ne peux pas le faire. Pour le moment, je ne peux pas encore le faire. Donc, ça va être un peu relou. Ça va être un petit peu relou. Ouais. Ouais. Pub de 30 secondes. Allez. Je vais reprendre une pub. Merci, du coup.
de demander à avoir des pubs. On va se re-TP. Pouf. Utiliser domicile. On va aller mettre ça dans les coffres en bas. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour le moment. Donc, puisqu'on n'a pas le vin. On n'a pas le vin pour le moment et on ne sait pas le faire. Donc on va juste déposer ça. Je pense aux non-abonnés. Ouais. Effectivement. Tac, tac, tac. L'histoire, je peux la déposer. La potion de vie, ça redonne plus 50. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas négligeable, la potion de vie. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oula, excusez-moi. On va déposer la bouffe. C'est tout. On va déposer des choses dans le coffre. Ah, ici, on vient récupérer. On a des points d'expérience. Voilà, très bien. On vient déposer. Tac, tac, tac. Très bien. On a des graines à aller déposer en bas. Les carottes sont poussées. Être non abonné. Mais quelle idée, exactement. Ben, en vrai, j'ai un bon ratio, j'ai l'impression quand même, d'abonnés par rapport au nombre de personnes qui sont présentes. Mine de rien, la plupart des gens qui viennent, en tout cas régulièrement, sont abonnés. Et donc c'est plutôt agréable parce que ça veut dire que ben, si vous venez souvent et que vous abonnez, c'est que vous aimez bien ce que je fais. Et c'est très très agréable. C'est très très agréable. J'avoue que du coup, pour moi qui essaie quand même de faire un truc bien, ben, c'est bien. ça donne envie de faire plus. Ça donne envie de faire plus. Pourquoi est-ce que je descends? Sans aucune raison. Je ne descends pour aucune raison. Il faut juste que je fasse passer le temps. Et on n'a rien à récupérer en bas. Hein. Non. Non, il faut juste que je fasse passer le temps pour le jour de la prière. Et récupérer de la foi. Récupérer de la foi et peut-être pouvoir justement faire un zombie. Pour ramener du bois. Chose incroyable. Donc on va faire un petit dodo rapide. Voilà. Allez. Le dodo. Il est quelle heure? Il est midi 20. Midi 20. Touk. On va venir ici. On va aller faire un peu de méditation. La méditation. Pour faire passer plus vite le temps. Voilà. On fait passer le temps. Bon, on est dehors, il pleut et tout, mais on médite, donc tout va bien. C'est bon. Si on médite, c'est bon, hein. Pas de soucis de mauvais temps, hein, on n'attrapera pas la mort, même si on reste une semaine. C'est faux. Voilà, on peut aller faire la prière. Le métal a toujours pas fini de cuire, c'est ouf. On n'avait pas du bois à couper au fait. Je suis en train de réfléchir, mais... on a peut-être du bois à couper. Il faudrait peut-être que je m'en occupe. Ce serait peut-être une bonne idée. Ce serait peut-être une bonne idée. La prière... Ave Maria, les fougères, Sainte Fougère, voilà la forêt, amen. Je souhaite prononcer quelques mots, notre église est merveilleuse. Sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. Oh. Ok. Tous vos dons sont les bienvenus. Combien est-ce qu'ils vont lâcher de thunes? Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Ça me rend triste. J'aimerais bien un peu plus de thunes. On est à 4. On a très clairement pas assez. On a très clairement pas assez puisqu'il faut aller à 10. Il nous faut 10 de fois. Il nous faut 10 de fois. Donc, c'est pas foufou. C'est pas foufou. On va aller voir un truc. Non, je vais passer par là quand même. On va aller voir les cryptes. On va aller voir les cryptes parce que je vais faire des plaques réfrigérantes. Parce que je me dis, on est à 1 sur 1. C'est pour ça qu'on ne nous livre pas plus de cadavres. Mais on a débloqué notamment les palettes réfrigérées. Donc, il nous faut 12 d'os. 12 clous. Et 5 fers. Complexe. Voilà. Donc on va faire ça. Comme ça, ça va augmenter la quantité de corps qu'on peut avoir. Si on augmente la quantité de corps qu'on peut avoir, normalement, on va re-recevoir des cadavres. Et donc, si on re-reçoit des cadavres, on va avoir donc dans le lot des bons cadavres. Si on a des bons cadavres, eh ben, on aura un cimetière en meilleur état. Et donc, potentiellement, récupérer plus de thunes d'une part, mais récupérer également
terme, plus d'argent, plus de foi, enfin voilà, tout est lié, tout est lié. Ici. OK. Alors, il nous faut faire complexe. On va faire ça déjà dans un premier temps. Pam 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 pam. Voilà, OK. Il nous faut du fer. Non. Il nous faut ça. On est à combien là? Ah merde, il me faut encore des clous. Non! C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va couper ça. Ah, je récupère 2 bûches maintenant. Ah, c'est peut-être un talent que j'ai pris qui fait que je récupère plus de bûches pour un seul arbre. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Enfin, c'est peut-être. C'est probablement ça. C'est probablement ça. Du coup, il nous faut des dosses. Voilà. Tac. On bouffe à mort l'énergie. C'est ouf. C'est ouf. 30. Bah 12 déjà dans un premier temps. Dans un premier temps. Ouais, et puis on va faire dodo. Hein. On va faire le dodo. Voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on pense à couper le bois. J'ai complètement zappé. On était en train de préparer du bois de chauffage pour nos fours. Et j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. C'est pas grave. On va dire que c'était pas pressé. On va dire que c'était pas pressé. Je me sens rafraîchi. C'est bien. Voilà, donc déjà on va finir ça. Comme ça on pourrait faire nos planètes. Nos palettes réfrigérées. Allez. Il est quoi? Midi 25. Je pense qu'on va tenir jusqu'à 40-45 et je couperai à ce moment-là. Pour aller me chercher ma commande à 13h. Ok, ça c'est fait. Ici on coupe. C'est parti. Pam 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 pam. On n'aura pas assez d'énergie, je pense. Ouais. On n'était pas loin, mais pas assez. Pas assez. On en récupère pas mal, hein. Il m'en faut que 12, donc ça je peux virer. Faire simple, je peux virer, ça je peux virer. 5, c'est bon. Ok. Le dodo. Heureusement qu'on n'a pas de besoin de se nourrir, parce que sinon ça coûterait cher en bouffe. Hein. Parce que depuis tout à l'heure on s'occupe pas du tout de la nourriture, on est en mode touriste de l'ultime. Mais alors vraiment, bien comme il faut. Hein. Mais bien bien comme il faut. Hein. Hop là, je me sens rafraîchi. Magnifique. Ça, je peux le casser. Hop là. Voilà, ça, on l'enlève. Bam. Alors, ça, je peux l'enlever, ça, je peux l'enlever. Tout ça, je peux l'enlever. C'est beaucoup mieux. On va venir finir ça. Et on va y construire nos palettes réfrigérées. Alors ici, si je viens. 165. Oh là là, la violence. 1600 de combustible. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça va se faire vite, non? Ouais, ça se fait vite, mais... On va aller construire quand même le truc réfrigéré. Non, on est bon, on a juste ce qu'il faut. On a juste pris ce qu'il fallait. Parfait. Allez, on vient là. Et on va construire une palette réfrigérée. Non, pas la table d'embaumement. Putain, c'est pas des planches. C'est des dosses. Et en plus, je l'ai marqué dosses. J'ai marqué des dosses, mais j'ai fait des planches.
je suis un touriste. Hein. Moi, ça va qu'on en a assez. Ça va qu'on en a assez. Mais je suis un touriste de ouf. Hein. Mais genre vraiment, je t'en mets. Mais c'est des planches. Pas du tout. C'est des dos. Donc, palette réfrigérée. Palette réfrigérée. Hop là. Oh, je pense qu'on va en mettre une là, comme ça. Voilà. Et maintenant, on pourra mettre des corps dans les planètes réfrigérées. Donc on est passé en limite plus 3. Et ça, ça c'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Là, on va couper un arbre. On récupère pas mal de bois. Parce que du coup, il nous faut des dos. Bien sûr. Il nous en faut. Donc on va venir poser du bois. Voilà, très bien. En plus, on arrive à la fin de la journée. Donc avec un peu de chance, on va avoir un corps qui va arriver. Avec un peu de chance. Nous allons bien voir. Ici, ça a cuit. Très bien. On va venir mettre des lingots. Il est fait 2x2 maintenant. Ah, ah, très bien. 2 minutes 30 par lingot. Ok. Je sais pas quelle est la différence par rapport au premier, mais ok. Ça me va. Je présume que ça me va en tout cas. Tout ça, je peux poser, j'en ai plus besoin. Et on va juste aller voir en bas s'il n'y a pas un corps qui arrive avant que j'aille au lit. Mais vu que je viens à peine de mettre la limite en plus, je pense pas. Par contre, il va peut-être arriver pendant la nuit du coup. Parce que s'il est parti genre dès que je l'ai mis, le temps qu'il fasse la route... On va voir. Hein. Si ça fait ding-ding-ding ou pas. A priori non. A priori non. On est bon. On est bon. Ok, puis là c'est en train de cuire. Je voulais faire des doses du coup, parce qu'on va faire d'autres palettes réfrigérées. Hein, on va en profiter. On va augmenter un peu la quantité de corps de notre morgue. Ici. Ouais, on va faire ça. Ça en fera de plus, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Par contre, ça consomme à mort notre énergie. Oh là là, la violence. La violence. On va pas avoir... Ouais, on va pouvoir finir. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Le dodo. Le dodo. Bon, au moins ça fait passer le temps, c'est-à-dire qu'on se rapproche du moment où il y a un nouveau corps qui va être déposé, ce qui est quand même pas mal. Encore une fois, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un peu améliorer notre cimetière, c'est cool, enfin, avec un peu de chance. Parce qu'il faut encore que le corps soit de bon état. Ce qui, ça est très aléatoire, et très 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 aléatoire. Ici, on va prendre les clous, on va prendre les dos, et on est reparti. Hop hop hop, on voit qu'il y a du fer. On va venir le prendre, voilà, tac. On va faire quelques clous. Toutoum, toum, toum, toutoum, toum, toum. Voilà, très bien, on récupère ça. Je vais ranger ce que j'ai pas besoin là-dedans. Le reste, je pense que j'en ai trop, mais c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On va dormir un coup parce que ça fait accélérer le temps et récupérer l'énergie. Donc avec un peu de chance, ça va tomber pile poil quand on aura un nouveau corps. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien. Ce qui fait qu'on peut s'occuper du corps et derrière s'occuper de monter les nouvelles palettes réfrigérées. Ce me semble être un bon timing. On n'est pas trop loin du passage du jour, mais je pense qu'il n'est pas encore là. Hein. Je suis trop tôt. Bon, on vient là. Tac, on vient ici, on dit palette réfrigérée, on va mettre comme ça peut-être, oh, je sais pas. Peut-être comme ça,
peut faire des formes un peu alambiquées, ça peut être un peu plus sympa. Ah. Vous voyez, quand on parle du loup, je le savais que ça allait arriver. Je le savais. Hop là. Ouh, c'est pas un bon corps, ça. Ça, c'est pas un bon corps. Par contre, ça nous fera peut-être un bon zombie à terme. Graisse. Est-ce que je t'ai enlevé les organes à toi? Ah, par contre, il est entièrement pourri. Hein? Hein? Est-ce qu'on n'enlèverait pas la peau et tout ça? Ouais, si, hein. On va les faire brûler, les corps qui sont pourris. On va juste faire en priorité, avant de faire des zombies, on va vraiment faire en priorité le cimetière. Puis derrière, les bons corps qui resteront supplémentaires, on ira les faire mettre en zombie. Mais vu que ça demande pas mal de fois, on va juste faire brûler. J'aurais dû faire ça depuis le début. J'ai pris trop de temps, j'aurais dû faire ça dès le début. Toi, t'es comment? Prendre le corps. Ouais, on va enlever ce qu'il y a en trop, hein. Voilà. Puis on va faire brûler tout le reste. On prend la peau. Voilà. Il fallait pas prendre les crânes? Il faut prendre les crânes. Et l'autre, j'ai fait brûler. C'est les crânes, hein, qu'il faut prendre, il me semble. Putain, j'ai oublié. Les os, on en a pas besoin. Bon, du coup, c'est con, je l'ai fait brûler. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On dirait qu'on n'a rien vu. Ici, ça, je veux le construire. Voilà. Un petit passage ici, très bien. Palette réfrigérée, on va dire là. On peut aligner un peu, ouais. Est-ce que ça a un intérêt particulier? Je ne sais point. Si ça se trouve, je me prends un peu la tête pour rien. Hein. Mais je me dis peut-être aligner les corps, ça peut être un peu sympa. Après là, c'est très clairement espace de travail, alors que là, c'est vraiment espace de stockage. Donc on va peut-être un peu plus se stocker. Tac. Ça fait un espace de deux pour passer au milieu. Oui, pourquoi pas. Ouais, du coup, en fait, ça me dérange. Je vais le péter. Je vais le péter, je vais le refaire. Là, il me dérange comme ça. Ouais, je peux pas en faire parce qu'il manque des palettes. Je vais le faire différemment. Je vais laisser des espaces de deux entre les palettes. Je vais faire les trucs un peu plus alignés. On va prendre là. Hop là. On va dire ça. Et le dodo. Et le dodo. Il est quoi? Il est 36. Ça va. Ça va, ça va. Je vais continuer à boire mon café. Bon. Il commence à se faire faim. Hein. J'avoue que je commence à avoir un peu faim. J'ai pas hâte de vous quitter, mais mon estomac quand même a très très envie d'aller manger. Je dois l'avouer, c'est quand même... hein, ça creuse, ça creuse. Ici, qu'est-ce que je peux... Ça, ça, ça. Ça. Et c'est tout. Là, je récupère. Je vais aller reposer une nouvelle palette. Et on va construire surtout les deux du coup. Parce que là, il y en a une qui n'est pas encore construite. Puis je vais reposer une autre. Ah, merde, il manque un fer complexe. J'ai mal calculé. J'ai mal calculé. Je pensais qu'on avait un fer complexe de plus. Mais en fait, non. Quel imbécile. J'adore faire des allers-retours, c'est pour ça. C'est très agréable. C'est très très bien. C'est très très cool. Bien sûr. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux.
Boum, 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 boum. Donc, la palette réfrigérée, je disais, ici. Voilà. Tac. Comme ça. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et donc, on se retrouve avec une morgue qui peut contenir à l'heure actuelle 7 corps, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc, on va pouvoir voir un peu plus à long terme, ce qui est bien. Vu que c'est des palettes réfrigérées, normalement, on peut se permettre de laisser des corps et de s'en occuper plus tard. Je pense. J'espère. Fortement. J'espère très fort. J'espère très très fort. Alors peut-être que ça fait que ralentir. Si ça fait que ralentir, il faudra quand même s'en occuper vite. C'est juste qu'on aura plus de temps avant que ça commence à pourrir. Mais on va espérer quand même que c'est bon. On va avoir un corps dans pas longtemps. Heureux, heureux, heureux. On descend. Hop là. On a reçu des lingots. Ces lingots. Ici. Le corps arrive. Parfait. On va pouvoir s'en occuper. On va pouvoir s'en occuper. On va l'attendre là. On va le récupérer direct. Allez. Donc c'est bien là, on a une mort qui grossit bien. Hein. On commence à avoir pas mal d'emplacements. Ça c'est bien, bien, bien. C'est bien, bien, bien. Corps pourri. Donc on récupère ce qu'on peut. Et le reste, ça sera bazardé. Bazardé, bazardé. Donc on récupère ça, on récupère la chair, on récupère la peau et on récupère le crâne. On n'oublie pas qu'on a besoin des crânes aussi maintenant. Il me semble que c'est les crânes, hein, je sais plus. Tiens, je viens de voir une vidéo d'Ash the Best sur Facebook. J'essaie de le trouver sur YouTube pour la poster sur Moonlight. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Et le reste, je peux le mettre au feu. Voilà, on va allumer. On va rester là, on va profiter du spectacle. On va se réchauffer, parce qu'il fait froid, on est en hiver, hein, donc il faut se réchauffer. On pousse sa gueulante envers l'état, bref. Je sais pas si c'est très constructif, mais pourquoi pas. Après, voilà, au partage, on sait jamais, ça peut intéresser des gens quand même. Moi, je trouve que les gueulantes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que moi, c'est assez rare que je gueule sur un truc. Que je critique quelque chose, c'est une chose, parce que notamment, je peux... Enfin, je me permets de critiquer quand je propose des améliorations, des choses qui pourraient être faites différemment. Pousser une gueulante, généralement, les gens, ils gueulent. Et à part gueuler, ils font pas grand-chose d'autre. Et ça n'a pas un grand intérêt. Ça n'apporte pas de changement particulier. Ça ne pousse pas au mieux, forcément. Ce qui, du coup, a un intérêt que je trouve quelque peu limité. Même si ça fait toujours du bien aux nerfs. Ce qui est, par contre, autre chose. La viande. Je réagis juste sur le nombre croissant de métiers touchés au fur et à mesure. Bah oui, c'est pas étonnant. Dans tous les cas, il faut savoir que les métiers, ben, un grand nombre de métiers sont voués à disparaître de base, qu'il y ait ou pas une crise sanitaire. Parce qu'on a un changement profond dans la société, dû aux évolutions, hein, dû tout simplement à l'évolution des outils, qui fait que on est en train d'aller vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne connaît pas. On a une énorme accélération sur tout un tas de choses. Donc là, ça accélère juste le changement. Oui et non, on a des changements où justement là, c'est pas, ça accélère pas. Il y a des choses où on retourne un petit peu en arrière, malheureusement. Mais par contre, il y a tout un tas d'outils, que ce soit informatique, automatisé, la mise en place de machines qui font le travail à la place des humains et ainsi de suite qui se mettent de plus en plus en place et qui le faisaient naturellement. Là, ça a pris un petit coup d'arrêt parce que les dépenses sont un peu réduites et que c'est plus simple d'utiliser de l'humain parce que c'est moins cher. Mais ça va redécoller dès que ça sera fini ou si ça perdure. Et dans tous les cas, encore une fois, la plupart des métiers sont voués à disparaître parce que on n'a pas de raison de continuer à faire des tâches qui sont chiantes, qui sont dures, physiquement compliqué, où l'humain peut se tromper, alors qu'on peut mettre en place des machines qui se plantent pas, ou en tout cas nettement moins, qui ne se fatiguent pas, qui sont plus rentables, qui ne se plaignent pas, et ainsi de suite.
Et ça fait des années et des années qu'on a tout un tas de théories et de travaux qui sont là-dessus et qui le montrent. Qui le montrent. Il y a déjà quelques années, on disait que globalement, 70% des emplois dans 30 ans, donc maintenant dans 10 ans, 20 ans, c'est des emplois qui n'existent pas encore. Et 80 à 90% des emplois actuels auront disparu parce qu'ils n'auront plus vocation d'être. C'est le cas par exemple quand tu regardes les caisses automatiques. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait le boulot de caissier ou de caissière. Si tu as une machine qui permet au client de le faire lui-même, c'est moins cher, c'est plus rentable. Tu mets au travail ton client plutôt que de devoir payer quelqu'un en plus. Enfin, t'as tout un tas de raisons qui font que ça n'a pas de sens de rester sur du travail humain. À long terme, ça n'a aucun sens. Là, j'observe les secteurs événementiels et loisirs et je me demande comment ça va changer. Bah, ça, c'est des endroits un peu plus particuliers, effectivement, où c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est plus difficile. Ça va prendre plus de temps, on va devoir trouver de nouveaux outils, encore, qui n'existent toujours pas, mais ce qui est prévu, encore une fois, parce que l'évolution est telle qu'on crée de nouveaux outils, on a de nouveaux besoins, et donc on fait différemment. Mais ça se fera quand même. Et c'est normal, c'est naturel. C'est pas un problème, loin de là. Mais pour ce qui est de ces métiers-là, généralement, c'est plus compliqué. Et notamment, tout ce qui va être la création, ça va être très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué parce que justement, le truc, c'est que c'est des emplois où tu peux pas vraiment remplacer ça par une machine. Par exemple, scénariste, c'est compliqué de demander à une machine de créer des scénarios de série et compagnie, de créer une pièce de théâtre, de faire ce genre de choses. C'est très 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 compliqué de s'attendre à ce qu'une IA, ou ce qu'on appelle en tout cas communément à l'heure actuelle des IA, qui ne sont pas des intelligences en fait, qui sont juste des logiciels, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus, encore une fois, parce qu'on a notamment des machines, on a un peintre, un robot peintre qui existe, qui fait des tableaux qui sont vendus très très cher et qui sont d'aussi bonne qualité que des tableaux faits par des humains. Donc on commence déjà à avoir des remplacements dans les métiers, on va dire, de la culture par des machines, et ça va continuer, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser l'humain. Mais après, sur ce genre de métier, on va dire, où tu peux avoir notamment plus de la passion, que par exemple être caissier, normalement t'as pas spécialement de passion. Je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas la passion d'être caissier, ce serait possible, mais ça reste quand même pas super épanouissant à la base, en tout cas dans les conditions actuelles de fonctionnement. Mais par exemple, quand tu es, on va prendre d'autres cas, mais tout simplement peintre, créateur quelconque, ah, le corps, tu vas être motivé par la passion. Et en fait, si tu as notamment un moyen de vivre dans une société où tes revenus sont assurés en dehors de tes tâches, il n'y a aucune raison de ne pas continuer à faire ces tâches-là. Caissier, je vois plus de mal dans une société où tu n'as pas besoin de travailler, où tu vas avoir du remplacement par des machines. Pourquoi tu voudrais être caissier? Qu'est-ce que ça t'apporterait? En soi, je présume qu'encore une fois, il peut y avoir des gens qui sont à fond là-dessus, et tant mieux pour eux. Mais ça me semblerait plus étrange, mais pourquoi pas? Alors, voyons voir. Et on a un très bon corps, on va aller le mettre dans le cimetière. Parfait. On va améliorer un petit peu notre cimetière pour une fois. Ça faisait longtemps. Alors, tout, tout, tout. Hop, hop, hop. Voilà. On vient ici. On vient poser ça. On vient poser ça. Voilà, très bien. On passe à 15. C'est cool. C'est tellement bien. On gagne 5 points à chaque fois qu'on en met, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Un cadavre et tu gagnes 5 points. Encore un cadavre, on passe à 20. Encore 2 cadavres, 3 cadavres et on passe à 30. Voilà. C'est trop bien. C'est ce qu'il faut. À boire? Je vais boire. Hop là, tac. On vient juste déposer ça. Ça, ça, et c'est tout. Et pendant qu'on fera le dodo, je vais boire. Il est 47, mon dodo juice. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour YouTube, eh ben, c'est fini. C'est la fin. Il est possible que je relance le live beaucoup plus tôt que 16 h.
Pas pizza, hein. Pour moi, c'est pas pizza. Toi, je sais pas, mais pour moi, c'est pas pizza. Donc, attendez, déjà, on va couper la VOD. Les gens de YouTube, merci d'avoir été là. J'ai tout passé un bon moment. Et petite fougère, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.